Alors là, effectivement, on est au troisième rendez-vous mensuel de la mission locale d'insertion à votre porte. Ce rendez-vous qu'on donne aux jeunes dans nos quartiers, dans le cadre d'une action de proximité initiée par la ville du Gosier. Et c'est vrai que nous sommes particulièrement ravis parce que les jeunes sont au rendez-vous. Ils viennent non seulement échanger avec le conseiller insertion de la mission locale qui leur propose des prestations qui peuvent les intéresser dans le cadre de leur insertion sociale et professionnelle. Nous avons pu identifier des jeunes qui n'étaient pas inscrits à la mission locale et d'autres qui nous connaissaient déjà mais qui avaient, que nous avions perdu de vue, et nous sommes ravis de pouvoir leur proposer le contrat engagement jeune. Donc certains ont déjà bien commencé leur accompagnement et bénéficient des 15 à 20 heures d'activité que nous leur proposons. Déjà, je pensais même pas m'inscrire aujourd'hui, et puis je pense que c'est vraiment ouvert à tous parce que la mission locale, ça nous permet au moins de discuter sur notre projet d'avenir, et je pense qu'il y a beaucoup de possibilités que la mission locale peut nous apporter, surtout à nous les jeunes. C'est vrai que peut-être qu'on n'a pas forcément toutes les aides à notre portée d'un coup, et puis la mission locale est énormément à notre écoute, donc je pense que ça ne peut qu'être bénéfique pour nous. Déjà, nous, Flamengo, nous accompagnons des jeunes sur leur insertion professionnelle. Donc nous, il faut savoir que nous allons sur les BIC, on va à leur rencontre et puis nous leur proposons un accompagnement. Donc cela peut être un accompagnement individualisé ou un accompagnement collectif. Donc la plupart des accompagnements, c'est des jeunes qui viennent nous demander déjà un travail, une formation, ou bien il y a des jeunes aussi qui n'ont pas de papier. Donc on les accompagne dans la mise en place de leurs papiers. Le tranche d'âge des jeunes qui sont concernés sont très très difficiles à mobiliser. Même on le sent vraiment au sein de l'association que bon, à chaque manifestation, on essaie de les inviter pour pouvoir les intégrer. Parce que nous sommes, c'est une association de quartier, et on essaie de créer une vraie cohésion sociale dans le quartier du Plateau Saint-Germain que tout le monde connaît. Bien, mes attentes aujourd'hui de la mission locale seraient vraiment d'être à l'écoute des jeunes et de pouvoir nous soutenir vraiment dans les différentes marges qu'il y aura au niveau de notre projet d'avenir. Et ça ne pourra que nous apporter du plus, et d'autant plus que la génération d'aujourd'hui est vraiment connectée, donc ça ne pourra qu'apporter du plus à la mission locale et beaucoup plus de plus pour eux et pour les jeunes, quoi.